Bonjour tout le monde, ici Gizmo64, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les potos, j'étais censé faire un petit stream sur Destiny 2, mais les premières minutes m'ont refroidi un petit peu. Les premières minutes de voyons, comment il s'appelle, voyons, Renega. Et la façon que Kayn meurt, oui, parce que voilà, c'est d'où l'histoire de Renega. La façon dont ils ont traité Kate, pour moi, ouais. Je sais pas, me semble que c'est un perso qui méritait mieux que ça, me semble. Mais bon, ça m'a juste refroidi. Et aujourd'hui, les potos, je vous suggère une aventure épique, un jeu épique, un jeu que j'ai adoré. Tous ceux qui disaient que la suite ça allait être mauvais. Oui. Je vous vois dans. Oh, ça l'a coupé. Je me demande pourquoi. Bon. Ouais. Parce qu'il y en a qui disent Gears 5, ça va être mauvais, ça va être la même chose que les autres Gears. Personnellement, c'est un jeu de guerre, j'ai envie de te dire. Faut pas que tu t'attendes à quelque chose de révolutionnaire. C'est un jeu de guerre, mais c'est un jeu de guerre. Un jeu de guerre, puis les jeux de guerre, c'est immortel. Je veux dire, les jeux de guerre, le concept est tellement vu comme le monde que veut pas, c'est immortel. Mais je pense qu'on va faire. On va juste checker de quoi pour le micro. J'ai pas envie que le monde parle pendant la vidéo. J'ai de la F1, je parle, puis là, ouais. Chat vocal, on va faire non. Voilà. Comme ça, ils m'attendront pas pendant que je joue. Voilà, c'est génial, hein? C'est pas pire, hein? On va faire Horde. On va essayer le mode Horde. Ouais, on va prendre comme perso, on va prendre. Voilà, on va prendre Sarah Connor. Ok, non. Ok, non. Annulé, bon. Bon, on va prendre Kate, non, Sarah Connor, ouais. Le Terminator Dark Fate que j'ai quand même trouvé bon. Quand même trouvé bon, c'est Terminator Dark Fate, le monde qui pense tout que Terminator c'est conçu pour être un chef-d'œuvre. Ce n'est pas conçu pour ça à la base, le poteau. Terminator c'est un divertissement. Un film science-fiction. Mais bon. Et j'ai entendu un truc intéressant également, les potos. Il y en a qui. Il y en a qui disaient des trucs du genre. Je suis tanné qu'on nous met dans une catégorie, qu'on nous met une étiquette de pro PlayStation, pro Nintendo. Voilà, moi déjà en partant, voilà, c'est. Je veux dire, c'est ça qui arrive quand tu commences à te mettre dans la guerre des consoles, tu dis que Xbox c'est de la merde, whenever, ou tu préfères plus une console à une autre. C'est ça le truc, c'est aussitôt que tu préfères une console à une autre, on te met l'étiquette de pro PlayStation. Moi, on m'a déjà mis l'étiquette de. Moi, je pense que mon étiquette est déjà faite. Mon étiquette, c'est pour Xbox. Voilà, elle est déjà faite, elle est déjà écrite. Ça fait longtemps. Aussitôt que tu commences à aimer une console, les poteaux, ton étiquette est là. Elle est là, mais bon, moi, ça me dérange pas. Moi, ça me dérange pas du tout, je veux dire. Je veux dire, que ça, je veux dire, en tant que gamer, on a beau te mettre une étiquette d'une console ou un autre, mais les autres joueurs te connaissent pas. Ils te connaissent pas. Ils prétendent te connaître, mais ils te connaissent pas. Ils savent pas.
Ils connaissent pas tes goûts en général, c'est ça les poteaux. Et là, je pense que le son est fermé. Hello! Hello! Vous m'attendez? Hi, who are you? Hi, my friend! Non, personne m'entend, ok, c'est bon, c'est bon. C'est bon, les poteaux, le micro est bien fermé. C'est la première fois qu'il y a du mort horde sur ma chaîne de Gears of War 5. Puis ceux qui disaient entre autres que le studio Coalition ont des preuves à faire. En même temps, c'est Roy Ferguson qui fait Gear 5. Et deuxièmement, son équipe, ils connaissent la série comme leur poche, ben oui. C'est la même équipe qui a fait le jeu, fait qu'il n'y a plus des anciens, il n'y a pas plus des petits nouveaux qui travaillaient chez Fortnite à ce moment-là. You better back off! Et comme dernier donne l'assaut! Ça me fait marrer! Laissez-moi faire! Ils sont pas gentils, mais laisse pas à tuer. Ouais, vague 1 terminée. There's more where that came from. We're not done. Get ready. Plus 4 plus 3. C'est surtout les poteaux quand je vois du monde qui sont en mode de, ouais, on a tous les consoles ever. D'un, les poteaux, c'est faux parce qu'on a toujours notre préférence. Mais oui. On a toujours notre préférence. J'ai de la PlayStation, j'ai de la Xbox, j'ai de la Nintendo. À date, je préfère deux consoles, Nintendo puis Xbox. Get ready while you can. They'll be back. J'ai qu'à me servir. Bon. Le chat vocal, c'est toujours bloqué, Fio. Ça, c'est un truc qui m'a toujours déranché. C'est dans le monde du jeu vidéo, c'est ceux qui font leur petite guéguerre stupide, leur guéguerre à la con. En même temps, ça donne tellement rien. Je veux dire, c'est tellement rien. Ça donne rien parce qu'au final, c'est comme la Crois-moi, tu l'as pas cherché. Une année, une console se plante, l'autre année, la console réussit. Tu m'en fais des cons, quoi? J'ai eu le drôle! Honnêtement, les poteaux, tout de suite, les poteaux PlayStation, ils ont pas le choix, je pense. Le même prix que c'est une fois. Il en reste 5, ils vont charger.
En même temps, je comprends pas trop leur truc de brevet, là. Leur truc de mettre des brevets à gauche à droite, je sais pas qu'est-ce que ça donne. Mais bon. Ils vont pas tarder à revenir! Bon, préparez-vous! Perfect. Par rapport à ça, c'est le seul truc qui me dérange. Quand je vois du monde mettre des brevets, c'était là, de gauche à droite. Déjà, ils sont pas pressés de montrer leur console, fait que quand ils sont pas pressés, je sais pas, c'est pas trop bon signe. Ils coupent, ils boycottent le 3 également, mais en fait, le 3, c'est qu'ils font la guerre au E3, c'est ça. Ils font un peu la guerre au E3, c'est ça. On a des ennemis, on approche! E3, mais bon. Il me semble qu'ils devraient faire comme une box. Leur propre endroit où faire les, comme par exemple, leur propre vegetator, whatever. Ils devraient faire comme Xbox, me semble. Ça leur coûterait moins cher, entre autres. Je t'envoie là. You better back off! Un parasite en moi! Mais bon, ça se trouve, ils ont déjà les petits. There's more where that came from. Encore 5! Bon. Vague 4 terminée. Maintenant, il y a combien de vagues? All clear. Prepare for the next wave. Ça y est, ils sont là. Le 5 pour moi fait partie d'un des meilleurs. Le 4 c'était. Le 4, on a 30 secondes pour se regrouper. Tout le monde le savent, les fans le savent, c'était l'épisode de transition. C'est bon. Le truc qui est drôle, les poteaux, je préfère, et ça vous allez dire peut-être que je suis fou, mais bon, je mélange, je préfère le let's play de Get ready. Destiny 2 à celui d'Anthem.
préfère l'esprit d'anthème à celui de Destiny 2. Keep it up. Voilà, je l'ai dit, mais je l'ai dit encore en envers. Des fois, j'ai des trucs à l'envers, mais bon. Alors, je préfère l'esprit d'anthème. Je sais pas pourquoi. On me voit, on me voit plus. J'ai buté un fion. Retourne dans ton trou. Ça pouvait pas mieux tomber. Emballez ces pesées. Encore cinq. Ces poteaux, c'est tellement quelque chose, c'est tellement tellement malade, c'est comme jeu Gear 5, c'était où, c'est tellement c'est bon, malade là, c'était c'est surtout que le jeu autant pour moi reprend exactement le lore de la première trilogie. N'oublie pas la première trilogie, il reste aussi en même temps fidèle à sa trilogie, à ses origines, c'est ça qui est le fun, il s'est pas perdu ouais, en jeu. Bien sûr. C'est la preuve que c'est pas des amateurs qui font du jeu, vraiment pas. Quand j'entends du monde des fois dire, moi quand j'entends du monde des fois dire, c'est. Bastion détruit! There's more where that came from. You're not getting away. Attendez à plus. Oh, moi j'en ai tué un. Ben oui, laissez-moi-en des victimes. Laissez-moi-en les poteaux. J'en veux moi avec des victimes à tuer. Laissez-moi-en. Faut pas gentil, m'en laisse pas. Tiens, prends de l'énergie. Hologram ready. Comme toi. Oh. Ouais.
We've got 30 seconds to regroup. Je les garde. Bon. C'est à moi maintenant. Enemies on our perimeter. Sur le premier combien de bagues. Perfect. Viens voir, papa. Non. There's more where that came from. Oh god, he's gone full! Four left! Mine now. Bon les potos, pardonnez-moi cette petite interruption qu'il y a eu il y a même pas une minute. J'ai un succès, puis là mon Xbox, le live a décidé que quoi c'est terminé. Je sécurise la bombe. Lol. Mais bon. C'est des trucs qui peuvent échapper hors de contrôle des fois qu'on est en live. Yeah.
Fortification deployed. Shiva! C'est bon pour le recyclage. Allez, on va ajouter le robot dans le chargeur. Je pense qu'on fait ça pour écœurer les fans, c'est exactement. Je pense que c'est des robots qui aiment pas les robots. Encore 5! Ils sont à fond! Ça marche! J'ai démoli un autre pote! Wow. Quatrième prochain. Bon boulot, les Gears! Allez, on reconstruit et on se prépare pour la suite! Good. La pompe est vide. Pompe à énergie améliorée. Excellent. Allez, venez-vous-en, Lila Purge. So. Venez-vous-en que je botte votre cul. Que je vous retourne dans votre trou. Virez, allez, voilà. Oh, ok, ils ont plus de santé, les salauds. Ah ok, il augmente. Ok, ben oui, ça va devenir plus difficile. Excellent. Viseur neutralisé. Je dors pas aller sur ce curseur. Top ferraille. J'ai muté un viseur. Je vous attends. My mistake. Meilleur détruit. Terminé. Énergie collectée. 30 secondes avant l'arrivée des renforts. Bon. Bon, sur ce, les poteaux. Ah, ouais. Bon, sur ce, les poteaux, on va aller un peu dans le... On va arrêter ça un peu, le mode camp, le mode horde. On va changer de mode, je crois, oui. La vidéo est un petit peu plus longue. On va être un petit peu plus longue qu'à l'habitude parce que je vais faire une nouvelle campagne, voilà. Ben oui, le jeu est vraiment excellent. Fait que pour les peu de fois que j'y joue, je préfère vraiment y aller à fond, là. Lancer la campagne. Et je vous laisse profiter. Puis en même temps, c'est une façon en même temps de... C'est une façon en même temps de m'excuser pour ce petit désagrément qu'il y a eu durant la vidéo. Je pense même pas 5 minutes de couper. Je pense que c'était même pas 5 minutes, mais quand même, voilà, c'est... Je le tiens à le préciser.
Puis en même temps, juste faire une vidéo sur le mode Horde, voilà, pour moi, c'est un peu du foutage de gueule, je trouve. Et voilà, c'est parti. Bon. Ouais. La campagne plus le fun que le mode Horde. Je sais pas pourquoi. Le mode Horde, il y a tellement de joueurs qui arrivent à tuer facilement. Vave, impulsion. J'ai joué à coop avec un de mes potes à cette mission là, puis il y avait comme un bug. Il y avait un bug de coop. Hein, il peut toujours pas y aller. Dave, comment ça, le robot, il peut pas y aller? Ok, c'est pour un bug d'abord. Mais non, toi, il peut pas passer par là, bizarre. Attention à l'explosion! Ah wow! J'ai failli me suicider. Dave, impulsion! Moyen de sélectionner l'arme du robot.
Ok, il y a une entreprise, une porte là. Mais je pense que les poteaux, je pense qu'on va faire le tour. Comment longtemps que j'ai pas joué là. Et il y a sûrement une porte quelque part. Moyen d'activer. Le Gear 5 est tellement bon là. Tellement un bon jeu. Dans le traitement des personnages, par son histoire, Gear 5 vraiment il reste fidèle à l'original. Aux originaux, pardon, aux originaux, voilà. Dave, impulsion. Et quoi, c'est un bike ça? Ouais. Je crois que c'est le jeu bug. Oh, c'est génial là. Une nouvelle partie. Cette partie là bug. Je crois. Moi, que j'ai bien aimé des poteaux dans Gear, c'est que cette année, ils ont vraiment vendu le jeu. Faut qu'on aille chercher des partenariats, faut vraiment qu'on... C'est le même exemple qu'on vend un jeu. C'est en faisant des placements de produits, des contrats. Puis ceux qui chantent le gros de la chanson Change... De Flatwood Mac, c'est nul autre que... Pour ceux qui s'intéressent, Evanescence. Précédemment dans Gears of War. Evanescence, qui est vraiment intéressant, c'est celle de la chanson que vous voyez dans le trailer. Et là, je vous laisse profiter parce que c'est une cinématique. Avant, on protégeait les camps de la CGU, et là, on en attaque un. Les étrangers sont forts pour ça. Lieutenant, ça faisait longtemps. Le village n'a plus d'électricité depuis des semaines. Il nous faut le fabricator. Je me contrefous de ce fabricator. Vous me prenez mes gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Je fais court. La CGU va pas tarder. Vous m'aviez promis que vous voleriez le fabricator sans provoquer Jean. Ça a rien à voir avec le fabricator. Alors, vous avez fait quoi? Jean nous a accusés de kidnapper des gens. Je sais pas ce qu'elle racontait. Amenez le fabricator dans la centrale et installez l'inverseur. Jean reviendra, j'espère que tu le sais. Il faut partir, vite.
Kate, écoute, tu dois te cacher, et après tu dois t'enfuir. Écoute, tu sais tout aussi bien que moi, qui peut nous aider? Notre village s'est fait attaquer. Et ma mère s'est fait enlever. Enlever? Pas, je crois que tu devrais regarder ça. Merde. Les gars? Dylan, tu m'as dit que c'était pas la CGU qui comptait. Ouais, mais ça, c'était pas tout à fait vrai. Il faut traverser le fort et atteindre la mine d'osmium abandonnée de l'autre côté. Parce que la CGU y a acheté quelques milliers de cadavres de locustes après la guerre. Alors si votre vermine est liée à toutes ces larves, c'est là-bas qu'on le saura. Papa! Non! On prenne les gens. Et les utilise. Et si on n'arrive pas à les récupérer? Alors? Je suppose qu'on devra se débrouiller seul. Merde! Au moins, on est sûr de savoir d'où il venait. Et on sait où vont les écumes. Mon père est vivant et il est là-dessous, ok? James, dans la cosse, je pouvais voir tout leur réseau. C'est toute leur ruche à la con. Et tout est connecté. Les locustes, ils sont jamais morts, James. Kate, ta mère, est vivante. Où est-elle? Et j'ai vu qu'ils la traitaient pas comme les autres. Pas de cosse. Si vous me libérez, je meurs. Ça va aller. Elle voulait te confier ça. C'était à ma grand-mère. Je l'ai jamais connue. Kate n'est pas prête pour ça. Elle peut à peine garder les yeux ouverts. Ne t'en fais pas pour elle. Elle peut le faire. Ok. On est presque aux coordonnées de Baird. Bienvenue à Azura.
C'était quand la dernière fois que t'as dormi? Cette nuit, environ 8 ou 9 minutes, ouais. Des cauchemars? Ça passera. Tu finiras par t'y faire. Ok, voyons ce qu'on a. Allez, on se prépare pour le largage. Bon, qui saute en premier ? En tout cas, ce sera pas toi. Del, je vais bien, d'accord? Ouais, c'est ça. Oh, merde. Merci, Del. Sam, on va descendre. Bien reçu. On vous attend ici. Allez, à toutes. Hey, Dave, tu t'amènes? Ok, contrôle, on se déploie. Contrôle? Sérieusement? J'ai un nom. Contrôle. Les règles sont les règles, merde. Enfin, contrôle. Et on en enfreint suffisamment comme ça. Jean peut rien dire si elle est pas au courant. C'est à moi de décider, ok? Et si ça plaît pas à la première ministre, elle peut me passer un savon. Ce qu'elle fera sûrement. Dis-nous juste où aller, contrôle. Je vais faire de mon mieux. Et n'oubliez pas que personne n'a mis les pieds dans cette installation depuis 25 ans. Ouais, c'est... c'est plutôt évident. Faites pas là pour vous promener. Vous devez lancer un vieux prototype de rayon de l'aube. Et d'après tes infos, un des silos est intact, c'est ça? Ouais, on dirait. Emmenez Dave dans une salle de contrôle opérationnelle. Il gérera la séquence de lancement. Ah! Dave, lumière. N'oubliez pas, il y a un immense cimetière locuste sur cette île. S'il est clos, on sera submergé par la vermine. Tu parles d'une façon de revenir à Azura. Hé, hey, attention! Non, mais... oh la vache! Comment on est censé explorer un endroit qui s'effondre? Et vite! Venez, on peut suivre cette corniche. Le plan de Baird de lancer un satellite d'ici me semble un peu mal foutu. Ouais, Baird est un spécialiste des plans foireux. Comment Baird a su qu'il y avait un satellite du rayon ici? C'est grâce à mon père. Avant de mourir, il a confié quelques-uns des secrets de la CGU à Baird. Et cette île, elle en est truffée. Ici, ça pourrait servir. Je m'attendais pas à ce qu'il reste des corps ici. On est vraiment très peu à être venus d'Azura en vie. On passe à travers. C'est bon, allons-y. Faites gaffe, il y a encore des éboulements.
Bon. Surprise. Dave, envoie une impulsion pour qu'on sache à quoi on a affaire. Comment tu veux dire ? Ah, les voilà. Allez, on les bute ! À couvert ! Ramasse tes dents ! Sur la gauche, flanquez-les! Je balance une grenade si t'en as une! Encore des drones! Baird, c'est confirmé. Le cimetière locuste d'Azura est actif. Merde. Ok, le Condor reste en l'air. Faites-moi signe si vous avez besoin de renfort. On est tiré d'affaire pour l'instant. Delta terminé. Allez, on doit trouver un de ces silos. En espérant que la vermine ne les ait pas tous détruits. Hey, je crois qu'on peut descendre par là. Ces migraines sont... Ça va, d'accord. On doit trouver le silo. Honnêtement, ça n'a pas l'air d'aller bien. Je vais survivre. Il y a trop de ruches actives. Partout où on va, c'est un nouveau cimetière. Raison de plus pour réactiver le rayon de mort. Espérons que Jim soit du même avis. Mais il est en ruine. Eh bien, il en reste encore deux, et la lutte opérationnelle. J'espère que t'as raison. On a déjà mis fin à la guerre une fois sur cette île. Quand on aura déployé le satellite, on pourra recommencer. T'as tout compris, mon pote. Terminé. Impossible d'aller tout droit. Qu'est-ce qu'il reste de cette base au juste ? On va le découvrir. Prenez à droite, nous, on va à gauche. On va trouver ces silos. Ça marche. Mais on reste en contact. T'es sûr de ton coup ? Il y a deux silos, il y a deux chemins. T'as une meilleure idée ?
Dale, la trappe. Saute. Ça ressemble à un tunnel d'échappement. Mais est-ce qu'il sort d'où ça ? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Des rejetons ! Descendez ! C'est où ? T'en as d'autres ? Allez, on s'arrête pas ! Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et si c'est le cas d'abonnement à ma chaîne, c'est mon contenu, vous plaît en règle générale, bien sûr. C'était Gizmo64 pour un petit let's play sur Gears 5. J'ai essayé le mode Horde en live pour la, je pense que c'est la première fois. Et j'ai terminé sans beauté avec un recommençant la campagne solo que j'ai trouvé tout bonnement excellente. Et sur ce, les potos, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à la prochaine pour une autre d'autres vidéos. C'était Gizmo64. Allez, ciao les potos et n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager si elle vous a plu, vous abonner si vous êtes intéressé par ma chaîne, évidemment, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Si mon contenu vous plaît en règle générale, bien sûr. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine, si vous voulez rien manquer de mes vidéos, bien sûr. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, c'était Gizmo64. Allez, ciao.